La deuxième vague de coronavirus en Afrique a été plus drastique que la première. C'est la conclusion à laquelle est parvenue une étude publiée dans la revue Lancet ce jeudi. Selon cette étude, entre le 14 février et le 31 décembre de l'année dernière, le continent africain a enregistré près de 3 millions de cas de coronavirus pour 65 000 décès, avec des taux d'incidence élevés en Afrique du Sud, au Cap Vert, au Maroc. Et en Libye, malgré une augmentation de 30% du nombre quotidien d'infections comparé au pic de la première vague, souligne l'étude, des mesures de prévention n'ont pas été adaptées à l'ampleur de la situation. Le relâchement concernant le respect des mesures barrières aura donc été fatal. Pas que l'ampleur prise par le virus sur le continent est aussi liée à l'émergence des variantes de la Covid-19. Aussi, les auteurs proposent-ils une surveillance continue des données relatives au virus, une amélioration des capacités de dépistage et des efforts renouvelés pour adhérer aux mesures de santé publique